puis c'était si vite fait. Il en avait envie, alors? Ah bah oui. Il a toujours très envie de moi. Je faisais toujours bander. Dès qu'il me voyait, il bandait. Et vous, vous avez trouvé un lit? Vous avez viré un malade? Comment avez-vous fait? Il y a un canapé dans son bureau. Oui, c'est très bien organisé. Hmm? Alors, vous voulez pas me raconter? Bah non. Il m'a dit, déshabille-toi et fais-moi ce que j'aime. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez, j'aime pas raconter. Bah, faites-le moi, alors. Ah bah non. C'est trop fatigant. Bon, alors je m'en vais. Bah non. Restez. Si vous devinez, je vous le fais. Vous êtes servi de quoi? Ça n'a pas d'importance. Quand on est bien avec les gens, on peut rester dans un café, parler, ou se taire. Non, je crois pas. Vous accostez souvent les filles comme vous m'avez accosté? Je vous ai dit, j'accoste jamais. Mais avec vous, j'avais pas le choix. Comment aurais-je pu vous retrouver? Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? J'ai pas le temps de boire un verre avec vous, avez-vous un numéro de téléphone? Je me souviens très bien. Si c'est pas indiscret, qu'avez-vous pensé? J'étais très surprise de vous retrouver marchant à côté de moi. Je ne vois pas Jean-Pierre. Après, je ne comprenais pas pourquoi vous ne vouliez pas coucher avec moi. Je me disais, elle est peut-être malade, impuissant. Puis je me suis aperçue que vous n'y étiez pas. Ça vous ennuyait que je ne cherche pas à coucher avec vous? Comment voulez-vous qu'une fille sur qui les types sautent au bout de 5 minutes ne soit pas troublée quand quelqu'un est gentil et qu'il ne cherche pas à la baiser? T'es vraiment drôle, je trouve, Camille, depuis qu'on a rencontré. Non, je suis pas drôle. Je me demande pourquoi tu me dis ça. Je dis ça comme ça. Parce que t'es un âne. Tu me fais peur, Paul. D'ailleurs, c'est pas la première fois. Ouais, mais t'avais qu'à me répondre. Hein. Pourquoi tu me réponds pas au lieu de rester là, comme ça, avec les bras en bas? Pourquoi est-ce que je me suis marié avec une dactylo de 28 ans?